Levons-nous, s'il vous plaît. Nous allons lire dans le livre des psaumes. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 99. Psaume chapitre 99, 99. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 99, 99, nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel règne, les peuples tremblent. Il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion, il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu as fermé la droiture, tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs, et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel et il les exauça. Il leur parla dans la colonne de nuée. Ils observèrent ses commandements, et la loi qu'il leur donna. Éternel, notre Dieu, tu les exaucas. Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne. Mais tu les as punis de leur faute. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte. Car il est saint, l'Éternel, notre Dieu. Amen. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, prosternez-vous sur sa montagne sainte. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint. Thank you.
Merci pour l'allégresse, merci pour la joie, merci pour la délivrance, mon bénémoine Père Tissant. Merci pour le soutien. Tu es vraiment notre force, mon bénémoine Père Tissant. Tu es notre appui certain, refuge aussi certain, mon bénémoine Père Tissant. Nous nous attenons à toi, mon bénémoine Père. Merci pour ce temps béni, oh Dieu, dans lequel tu nous introduis, Père, oh Dieu, pour ce moment, Père Tissant. Merci pour tes serviteurs, pour tes servantes, pour ton peuple encore, Père Tissant, tes fils et tes filles, mon roi, pour chacun d'eux, mon bénémoine Père Dieu. Merci vraiment que tu donnes de tels moments, Père Saint-Dieu, où nous pouvons nous tenir dans ta présence à toi, pour réellement aussi te dire merci du fin fond de notre cœur, pour ta puissance, pour ta délivrance, mon bénémoine Père Tissant, pour toute le merveille que tu fais, que tu as fait, Seigneur. Le nombre en est tellement si grand. Seigneur, si on les mettait à le compter, Seigneur Jésus, ils sont tellement innombrables, mon roi. C'est seulement la louange, Père Tissant, qui peut monter et défaire notre cœur pour te dire que tu es merveilleux. Tu es vraiment merveilleux. Tu es le tout suffisant, mon bénémoine Seigneur. La lumière de ce monde, c'est toi. L'allégresse et la joie de ton peuple, c'est toi. La consolation de ton peuple, c'est toi. Nous sommes heureux, mon bénémoine Père, de vivre ce moment, Père Tissant, dans ta présence à toi, mon bénémoine Père Saint. Combien tu es fidèle, Père. Nous commençons avec toi, mon bénémoine Père Saint. Nous continuons avec toi, mon bénémoine Père Dieu. Merci pour ta puissance, mon roi. Merci aussi pour le Saint-Esprit, Seigneur, que tu déverses, mon bénémoine Père Tibissant, qui nous ramène toujours dans ta présence à toi, Père, pour pouvoir te célébrer encore, Père. Purifie nos cœurs, purifie nos âmes, parce que nous voulons t'aimer encore dans la pureté, mon bénémoine Père Tibissant, et te célébrer avec beaucoup d'allégresse, mon roi. Peu importe, nous importe ce que le monde peut penser, Seigneur, nous sommes tes fils et tes filles, mon sauveur, un peuple qui t'appartient. Louange et honneur à toi pour l'adoration, Père Saint, pour les chants et les cantiques et pour tout ce que tu fais pour nos pères, tes missions, pour les psaumes, mon bénémoine, Père Saint, oh Dieu, pour chaque frère et chaque sœur. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Nous t'avons ainsi prié, mon Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen.
qu'il soit vraiment béni. Qu'il vous bénisse et qu'il vous fortifie. Hein. Vous pouvez vous asseoir. Nous nous réjouissons de ce que le Seigneur nous donne ces jours. Où nous pouvons nous retrouver ensemble dans sa maison. Nous voulons nous consacrer pendant ce temps pour pouvoir aussi lui dire beaucoup, un grand merci. Parce qu'il a toujours été merveilleux pour nous. Et nous voulons clôturer cette année-ci en lui témoignant encore combien nous lui sommes reconnaissants pour sa grandeur, pour aussi sa fidélité, pour aussi sa manière de pouvoir également aussi conduire un troupeau tel que nous sommes. Parce que nous avons vu qu'il est vraiment le bon berger. Il a toujours pourvu pour nous et il a toujours été présent dans toutes les circonstances, même dans les moments de tristesse quand nous perdons un membre de famille. Il a toujours été présent. Et quand nous traversons même la vallée de Baca, il est toujours là pour pouvoir nous aider. Comment ne pas lui donner autant de temps et comment ne pas aussi lui dire merci tout au long de ces temps jusqu'à ce que nous puissions voir aussi le soleil s'élever dans la nouvelle année que nous allons entrer. Qu'il soit donc exalté, notre Dieu. De tout notre cœur, nous l'aimons. Nous voulons vraiment lui exprimer cet amour et que cela nous coûte, que cela nous coûte, parce qu'on ne peut pas donner à notre Dieu quelque chose qui ne nous coûte pas. Il faudra réellement que cette chose puisse nous coûter, afin que le Seigneur, notre Dieu, puisse être vraiment exalté aussi, puisse se réjouir aussi que c'est quelque chose qui vient réellement du fin fond de notre cœur, de pouvoir passer ce temps dans sa présence, afin qu'il nous aide aussi à ce que nous puissions entrer avec lui dans cette nouvelle année dans laquelle nous allons. C'est pour ça que nous avons eu à pouvoir mettre ce jour de réunion aussi à partir d'aujourd'hui jusque dans la semaine prochaine pour que nous puissions vraiment tous nous consacrer au Seigneur et dans la prière aussi, effectivement, parce que c'est la fin de cette année. Nous voulons aussi rester dans la prière, dans sa présence, afin que le Seigneur, notre Dieu, puisse aussi se réjouir dans la communion aussi profonde que nous voulons aussi avoir. Et aussi, je crois que nos enfants sont aussi en congé. Et c'est aussi une bonne chose aussi. Comme ça, nous ne sommes pas tellement préoccupés pour déposer à l'école, mais nous sommes maintenant préoccupés pour pouvoir prier avec eux, afin que le Seigneur, notre Dieu, nous assiste en toutes choses. Que le Seigneur bénisse chacun de vous tous. Et ces moments que Dieu nous donne, nous voulons vraiment tout un chacun de nous vraiment nous mettre dans la présence du Seigneur pour que la bénédiction nous soit donnée, non seulement à nous, mais à tous nos frères et sœurs. Pendant que nous allons prier, pendant que nous nous consacrons à Dieu, nous nous consacrons non seulement pour nous, mais pour tout un chacun. Pour ceux-là que Dieu nous a réellement donnés, parce que nous formons en Christ cette famille qui est en Christ et nous sommes effectivement membres de son corps et nous sommes aussi le troupeau de son pâturage que sa main puissante conduit. Nous devons apprendre davantage à pouvoir plus aussi penser aux autres qu'à nous-mêmes, plus désirer qu'effectivement que ceux qui ne sont pas encore arrivés au stade où nous sommes, nous voulons encore leur donner du temps, prier pour que le Seigneur les amène à ce qu'il arrive aussi au stade où nous sommes arrivés, pour qu'ensemble nous puissions avancer dans un même pas, ayant effectivement aussi la communion les uns avec les autres. C'est pour ça que il nous est donc recommandé de prier les uns pour les autres. Que Dieu bénisse chacun de vous. Et il y a donc nos frères et sœurs qui sont venus donc de loin, comme aussi de près, et qui continuent encore à arriver encore pour que nous puissions passer ces temps et les moments ensemble avec eux dans la présence du Seigneur. J'ai cru savoir qu'effectivement que notre frère de Montpellier, je pense Thomas, je pense qu'il doit être arrivé, où est-ce qu'il est? Ah, lève-toi mon précieux frère, que le Seigneur te bénisse. C'est notre... Viens ici devant mon frère, comme ça on peut te voir aussi. Ah, et que le Seigneur bénisse notre précieux frère. Notre précieux frère, il vient de loin. C'est de Montpellier, mon frère. Oui, Montpellier, c'est vraiment dans le fin fond avec notre frère Syria, comme vous le savez. Mais notre frère, il n'y a pas tellement très très longtemps, mais il était donc en Côte d'Ivoire. Maintenant, il est en France. C'est depuis la Côte d'Ivoire que le frère s'est aussi attaché. Nous, effectivement, j'ai entendu son témoignage. Il pourra nous le rendre lui-même aussi. De la manière dont Dieu agit quand
Il a un fils, il a aussi une fille quelque part. Comment Dieu peut arriver à pouvoir effectivement aussi le prendre d'un endroit et le placer effectivement, malgré les obstacles qu'on pouvait placer, Dieu ouvre. C'est toujours Dieu qui visite en fait. Et c'est ce qui s'est passé avec notre précieux frère. C'est notre frère Thomas Digbé qui vient de Montpellier. Et vous ferez sa connaissance effectivement, parce que je crois que là où il est, il voudrait aussi avoir aussi des contacts aussi avec ses frères et sœurs qui sont ici, parce qu'il est toujours connecté ici, n'est-ce pas mon frère? Donc il connaît, c'est aussi son assemblée. Que le Seigneur te bénisse mon frère, tu peux t'asseoir. Nous remercions Dieu pour cela effectivement, et il vient de loin. Alors, comme vous le voyez là, il a pris un bus depuis hier. Et j'avais vraiment très mal au cœur, j'avais eu le frère Marcelin qui est aussi à l'écoute ce soir, et je parlais avec lui, je disais, mais essaie un peu de voir avec notre frère, si peut-être en arrivant à Paris, si tu pouvais le prendre en voiture et venir ici. Il dit, je me suis déjà empressé de pouvoir lui demander, mais comme il prend déjà le bus là-bas, il s'empresse de pouvoir déjà être à Bruxelles, parce que nous on vient, je pense, le vendredi. Alors il était pressé d'être ici, et c'est comme cela qu'il a eu à pouvoir aussi rester dans ce bus jusqu'à arriver ici. Donc il a quitté le mardi, je pense, hein? Puis il est arrivé jusqu'à aujourd'hui, donc le mercredi matin. Que le Seigneur, notre Dieu, soit béni. Nous allons quand même remercier Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous sommes touchés, Père, de voir combien tes enfants, pour pouvoir prendre part à ces réunions, peuvent vraiment se sacrifier aussi dans des transports tout à fait aléatoires et arriver à pouvoir effectivement aussi rester très très longtemps et jusqu'aujourd'hui le matin un peu attubissant pour atteindre cet endroit afin de pouvoir avoir la communion autour de cette parole, mon béni, mon Père Dieu. Et prendre part aussi à ces réunions aussi, Père Tubissant, où ton peuple, effectivement, aussi dans différents endroits et aussi connecté pour pouvoir prendre part à cela, parce que nous voulons vraiment avancer avec toi, nous voulons vraiment vivre ce moment, Père Tubissant, jusqu'à ce que nous entrions dans la nouvelle année avec toi, notre Dieu, parce que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Merci pour notre béni, mes frères, Seigneur, que tu le bénisses et que tes efforts soient aussi couronnés de tes bénédictions, Père Saint-Dieu, qui ne retourne pas comme il est venu, mais qui retourne encore davantage, moi, Père Tubissant, béni et qui soit aussi fortifié, rempli de toi aussi, mon béni, mon Père Dieu. Sois béni pour cela. Nous t'avons ainsi prié, Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Alors, comme vous savez, nous avons déjà notre frère Cyriaque et notre sœur Viviane qui sont déjà là, et puis notre sœur Esther, et avec toute la famille, et aussi notre jeune frère Nathan et notre jeune frère, je pense, c'est Enoch ou... Enoch, hein? J'ai quand même... J'ai dit toujours les géants, parce qu'ils se mettent debout, ils risquent de pouvoir percer les plafonds. Alors, que Dieu soit béni. Nous remercions Dieu. Et par là aussi, nous avons aussi notre frère Daniel qui est venu. Que Dieu te bénisse. Et je tiens à pouvoir te remercier, mon précieux frère, pour tout ce que tu fais. Quand je ne suis pas là, les déplacements, que tu viens ici. Le peuple de Dieu t'aime beaucoup, frère. Et puis, il n'y a rien à dire, c'est ton assemblée. Il n'est pas venu seul. Alors là, il est venu. Aïe, 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 aïe. Vous savez, c'est cantique aussi qu'on aime beaucoup. Dieu seul suffit. Vous connaissez cela, non? Que rien ne te trouble, mon âme. Aïe, 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 aïe. Notre sœur Francine. Vous la connaissez? Vous l'aimez aussi? Vous savez, notre sœur Francine, même si vous ne la voyez pas souvent, mais elle est toujours connectée ici. Hein? Les réunions et tout ça, elle est toujours là connectée, elle suit tout, effectivement. C'est vraiment notre sœur. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Moi, je suis consolé parce que je te vois, ça faisait tellement si longtemps. Nous sommes heureux, effectivement. Bon, c'est vrai que j'aurais pu te demander, Dieu seul suffit, mais bon. C'est toujours une joie quand tu es là aussi, ma sœur, de pouvoir et moi aussi. Nous remercions Dieu pour cela aussi. Ils ne sont pas aussi venus seuls. Ils sont venus avec la sœur Laetitia et Kelly, qui doivent être quelque part ici, je pense. Mais ils sont de l'autre côté. Vous les avez déjà connus. Parce que je crois que quand j'étais pas là, ils sont venus. Mais tout à l'heure, évidemment aussi, quand je montais les escaliers, j'ai rencontré notre frère qui est venu. Si? Jean-Marie, qui est venu, je pense qu'il doit être... Ah oui, voilà, lève-toi mon frère, voici le frère Jean-Marie. Vous l'accueillez, n'est-ce pas? Amen. Que Dieu te bénisse. Il était dehors en train de pouvoir chercher à pouvoir s'égarer pour la voiture. Nous sommes heureux de pouvoir réellement nous retrouver. Je pense que
Nous avons encore des frères et sœurs qui, peut-être que je ne vois pas tellement très bien. Et est-ce qu'il y a un frère qui est arrivé ici que je n'ai peut-être pas vu, mais... Ah, où est-ce qu'il est, monsieur? Il est caché derrière ma soeur Francine. Lève-toi, mon frère. Oh, mais que c'est béni. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, lève-toi. Et toi, toi, frère Bruno. J'aime bien parce que il regardait qui on demande ici. C'est bien toi, mon frère Bruno. Ça fait longtemps que Dieu te bénisse. Je suis vraiment très content. Il vient de Paris, effectivement. Et comme vous le voyez là, il était pressé parce que le frère Marcelin me dit, on doit venir ensemble, effectivement. Il dit, mais frère, oui, il veut venir beaucoup plus tôt, effectivement. Que Dieu le bénisse. Amen. Nous allons prier pour lui parce qu'il a les désirs de rester longtemps, mais parfois les contraintes du travail fait qu'il faut qu'il trouve quelqu'un pour le remplacer, ainsi de suite. Que le Seigneur accorde la grâce. Amen. Et que Dieu te bénisse richement. Oui, comme tu es debout, on va prier. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci encore pour notre précieux frère et qui est venu par Saint-Dieu, malgré la condition de son travail, mais tu vois les désirs de son cœur, c'est de pouvoir rester pertubissant pendant toute cette série de réunions, se renouveler en Père Saint-Dieu, mais au niveau de son travail, les choses ne sont pas aussi faciles. Nous prions pour que tu puisses vraiment l'aider. Nous prions aussi pour que tu touches encore le cœur, mon bien-aimé Père Saint, pour qu'il y ait une porte soit ouverte, mon bien-aimé Père Tubissant, pour que quelqu'un puisse accepter de pouvoir vraiment aussi assister là où il se trouve, mon bien-aimé Père Tubissant, afin qu'il prenne part aussi aux réunions jusqu'à la fin, mon bien-aimé Père. Il est à toi. Je te remercie pour cela. Merci pour le chemin qu'il a aussi parcouru pour nous jusqu'à cet endroit. Nous te remercions pour tout, car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mon frère, si vous pouvez bien arrangez un peu votre micro ici, parce que de temps en temps, il est un peu trop brouillé. S'il peut devenir un tout petit peu beaucoup plus clair, pas trop trop non plus, mais juste un peu dans ça. Alors, y aurait-il encore quelqu'un qui devait... Vous savez, le problème avec moi, c'est que quand je regarde... Et le Seigneur m'accorde la grâce, c'est tellement pas fait, il y a des flashs que j'ai peur qu'il va pouvoir voir quelqu'un. Mais bon, si aussi... Vous savez, je vous aime tous. Hein. S'il arrive que j'oublie quelqu'un, c'est pas exprès. Et pardonnez-moi vraiment, mais rappelez-moi. Donc, déjà, c'est un honneur pour moi et pour nous tous de pouvoir voir quand même nos frères et sœurs qui quittent loin. Il est donc normal quand même que nous puissions arriver à pouvoir bien les accueillir aussi. Mais tout à l'heure, j'ai rencontré une jeune sœur qui était assise là dans le couloir là-bas. Je ne sais plus très bien si... Elle était assise dans le couloir, peut-être elle était... je ne sais pas. Mais c'est celle-là, voilà, ma sœur. Sois bénie, que Dieu te bénisse, ma sœur. Et tu t'appelles comment, ma sœur? Maria. C'est la première fois. Ah, je suis content, moi, je suis heureux, parce que moi, c'est la première fois. Et Dieu a permis que sous les escaliers, je te vois. Donc, sois la bienvenue. Et ici, c'est chez toi aussi, ma sœur. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Je suis content. Que Dieu soit béni. Donc, oui, je pense que... Mon frère qui sourit, là, c'est la première fois que je te vois. Lève-toi. C'est la première fois. Ah, lève-toi, mon. Voilà comment Dieu est bon. Ah, pardon, frère. La barre, là, elle est mauvaise. Passe par ici. Passe au-dessus de la barre, comme ça, on peut. Que Dieu soit béni. Ah, vous le voyez, je suis heureux, frère. Sois vraiment le bienvenu, mon frère. Nous sommes heureux de pouvoir t'avoir ce soir. Vous appelez comment, mon frère? Frère Oli. Frère Oli. Que Dieu soit béni. Frère Oli, que le Seigneur vous bénisse richement. Sentez-vous vraiment à l'aise et c'est chez vous. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Ah, c'est ça la joie, ma sœur Cornélie. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te remplisse, ma bien-aimée sœur. Nous sommes vraiment heureux cela. Mon frère Oli, que Dieu te bénisse. Je pense que tu chanteras aussi un jour. Nous sommes heureux, frère. Ah, Dieu soit béni. N'est-ce pas, mon frère Oli? Tu aimes bien chanter, non? Vous voyez? Alors, c'est merveilleux. Dieu est bon, mon précieux frère. Chez toi ici, nous entendrons les chants. Nous sommes heureux de pouvoir voir combien notre Dieu est vraiment si bon. Et nous remercions Dieu pour cela. C'est un bonheur quand même, parce que ce sont des réunions que nous commençons. Et je regarde bien qu'est-ce que je suis en train de... Et la sœur qui est à côté là-bas, là, c'est notre sœur qui sourit. Juste la sœur qui a tourné la tête là-bas. Ah, mais lèvez-vous, ma soeur. Mais ils sont deux, je pense. Il y en a juste à côté, non? Ah, donc c'est... Ah, oui. Alors, il y a... Ah, oui. Je voyais ce sourire, ça me disait quelque chose. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Mais ce n'est pas la première fois, non? La deuxième fois. Sois le bienvenu. Que Dieu te... Mais c'est, les noms, c'est comment? Je la connais, non? Non?
C'est la première fois. Hein? Mais elle ressemble à l'autre que tu es. Ah, c'est ça, ma soeur, c'est les visages qui ressemblent. Alors, je confonds maintenant avec les noms. Merci beaucoup. Que Dieu soit béni. Ah, c'est notre sœur Anna Lucia que je vois là-bas. Soyez donc le bienvenu. Et nous remercions notre Dieu pour ce qu'il fait. Quand nous nous rassemblons comme ça, nous avons besoin de pouvoir avoir ce moment de communion ensemble. Et c'est surtout parce que nous avons à pouvoir implorer la grâce du Seigneur pour qu'il nous introduise effectivement dans cette année nouvelle. Et que nous commençons avec notre Dieu et que nous allons aussi avec lui effectivement tout au long de l'année. Nous avons toujours eu à pouvoir voir combien il est tellement merveilleux dans sa façon de faire. Et c'est surtout quand nous entrons dans une nouvelle année, lorsqu'il nous accorde la grâce de pouvoir savoir ce qu'il attend de nous, ce qu'il va faire, alors nous voyons qu'effectivement que le Seigneur nous garde et nous conduit effectivement à ce que nous puissions expérimenter effectivement au fur et à mesure que nous avançons effectivement dans le mois qui avance. C'est pour ça que ces moments sont des moments tellement si importants. Nous commençons aujourd'hui et je vous invite à quand même venir aussi chaque jour jusqu'à ce que nous puissions avoir cette communion ensemble, les lavages de pieds, la Sainte Cène effectivement. Et après, je pense que le programme vous a été déjà donné dimanche qui suivra, alors on a un grand repas. Pourquoi cela? Parce que je voudrais que tout un chacun de nous qui avons participé ici, nous trouvons venir effectivement aussi nos frères, et que nous puissions nous retrouver ensemble autour d'un grand repas pour le premier dimanche du mois, manger ensemble, louer Dieu, et aussi regarder, dire, mon frère, nous avons traversé toute l'année ensemble, nous sommes arrivés, nous le remercions, partageons ces repas aussi ensemble, effectivement. Alors, consolez nos cœurs, que nous puissions nous retrouver aussi, ces jours-là aussi ensemble, effectivement, dans la présence de notre Dieu, pour que nous puissions aussi les glorifier pour tout ce qu'il a fait pour nous et aussi avoir ce moment de communion. Vous savez, je vais lire l'Écriture, mais vous savez, c'est toujours merveilleux de pouvoir voir que le Seigneur nous donne des frères, nous donne des sœurs. Vous savez, chacun a une façon d'être effectivement, mais néanmoins, ils sont tous nos frères et sœurs. Et nous nous entraidons effectivement à pouvoir nous tenir par la main et avancer effectivement là où l'un ne voit pas tellement très bien. Nous nous aidons pour qu'on puisse bien voir. Et ici, on met les pas comme ça. Et parce que je suis passé par là aussi. Donc, nous nous soutenons mutuellement. Et c'est pour ça qu'il dit, mais supportez-vous les uns et les autres. Amen. Je voudrais lire dans les Saintes Écritures, puis je demanderai à mon précieux frère. Dans les Saintes Écritures, nous lisons dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 1, je pense que c'est cela, 2 Pierre, au chapitre 1, voilà. Voilà. Mm-hmm. 2 Pierre, chapitre 1, nous lisons à partir du verset 16. 2 Pierre, chapitre 1. Verset 16, nous lisons, il dit, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord, avant tout vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est toujours poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Amen. Maître béni, nous tenons devant ton trône de grâce pour te dire merci. Merci encore pour ce jour que tu nous donnes, où nous entrons dans cette période
les réunions où nous implorons ta grâce pour que tu puisses davantage nous assister, nous conduire et réellement aussi nous parler encore davantage, mon roi, et parce que nous voulons rester dans la prière, mon Seigneur, afin que nos cœurs à nous puissent encore te plaire encore davantage. Seigneur, c'est un moment où nous avons tellement soif, besoin de toi pour pouvoir davantage aussi nous montrer comment nous devons encore davantage nous conduire dans l'année à venir aux perturbations pour pouvoir rester toujours dans ta présence à toi, Père. Tu es bon pour nous, tu nous aimes, tu fais des grandes choses, tu as fait de merveilles et de bonnes choses pour nous et tu continues encore à le faire encore jusqu'à aujourd'hui avec la joie de voir encore nos frères et sœurs ce soir encore qui les aiment pour la première fois, Père Subissant, et nous montre aussi l'amour que tu as notre endroit de donner encore des frères et des sœurs. Sois béni, alors que nous voulons ta parole à ta tête, puisse encore nous assister encore dans la prière, Père Subissant, et dans la parole, nous allons entendre personne, car j'ai ainsi prié mon Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Cet homme qui nous parle ainsi, c'est quelqu'un qui a eu à pouvoir avoir une expérience tout à fait aussi particulière et qui a eu à pouvoir réellement passer des moments aussi particuliers et qui, dans sa vie, effectivement, pendant toute une période, il a eu à pouvoir vivre des moments que ni vous et moi n'avons point vécu parce que il était lui-même un témoin de ce que il s'était passé effectivement au temps où il était donc sur la terre, c'est-à-dire que lorsque l'annonce des Saintes Écritures avait eu à pouvoir parler de celui qui allait donc venir. C'était que, en fait, l'espérance que tout un pays, toute une nation avait de celui, en fait, dont les saints et les prophètes avaient donc annoncé, comme ces jours-là, effectivement, Philippe a eu à pouvoir les déclarer à Nathanaël en disant, nous avons trouvé celui dont Moïse et les prophètes ont donc parlé et annoncé, effectivement, il s'agit donc de Jésus donc de Nazareth. Et là, c'était en fait l'attente effectivement de toute une nation parce que il était et il est effectivement le rédempteur et le libérateur. Et c'est lui qui est en fait le sauveur dont ils attendaient tous en réalité. Alors, Pierre a eu cette grâce parmi tant d'autres qui étaient comme dans les Sanhédrin ou bien des souverains sacrificateurs à l'époque et qui pensaient qu'effectivement que lorsque la prophétie s'accomplirait parce que ils n'étaient pas ignorants en fait le peuple, la nation d'Israël effectivement parce que les Juifs croient donc aux prophètes. Alors, lorsque là, le mage qui était donc, ceux qui étaient donc considérés des astres, effectivement, étaient en Orient, ils ont pu observer et voir effectivement le toile qui était en fait là dans l'espace, effectivement, qui, selon les Saintes Écritures, comme cela a été dit, ont compris, ont réalisé qu'effectivement, que à Jérusalem, donc à Israël, effectivement, il est né, donc le roi est né. C'est pour ça qu'ils ont quitté, effectivement, ils sont arrivés jusqu'à Jérusalem, conduits par l'étoile, effectivement, comme vous le savez. Là, ils ont trouvé, effectivement, le peuple dans la joie, continuant leur vie, effectivement, continuant leur système dans lequel ils se trouvaient. Et puis, ils entrent et ils pensaient qu'en arrivant à Jérusalem, ils allaient trouver la fête, effectivement, l'adoration, glorifiant Dieu, Seigneur, que ton nom soit béni, nous avais promis, tu l'as accompli, effectivement, parce que c'était la plus grande des attentes que nous attendions, effectivement, et tu l'as fait, tu avais promis ça à nos pères, tu l'as fait, effectivement. Mais ils sont arrivés, ils étaient surpris de trouver que les gens étaient comme des indolents, qu'effectivement, c'est comme si absolument rien ne s'était passé. Puis ils posent la question, ils disent, mais on le voit, eux, empressés, pendant, parce qu'ils ont voyagé depuis longtemps, très longtemps, ils posent la question, ils disent, mais où est donc le roi des Juifs qui vient de naître? Parce qu'on vous trouve indolent comme ça, mais on pensait qu'en arrivant, on allait trouver les gens qui glorifiaient Dieu, qui célébraient Dieu. On savait que là, c'est là, effectivement, mais on ne trouve rien du tout. Mais où est donc le roi des Juifs qui vient de naître, effectivement? Et là, ils trouvent l'élégance et puis tout le monde dit, oh, le roi des Juifs. Et pourtant, il était né. Et pourtant, ça s'est passé exactement comme cela avait été annoncé par les prophètes. Et puis, effectivement, aussi, ce qui est merveilleux, c'est que c'est à l'endroit même aussi où Dieu avait annoncé. Parce qu'il était dit, effectivement, dans les Saintes Écritures, il dit, mais, ah, quand j'ai dit, demande ainsi à l'Éternel, mais je ne demanderai pas, dit, mais le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge concevra. Et l'enfantera un fils et vous donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec, pas un deuxième Dieu, pas un troisième, le seul Dieu.
le Dieu que nous adorons, parce qu'Israël n'en avait pas trois, il n'y en avait qu'un seul. Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul et l'unique. Tu n'auras pas notre Dieu devant sa face. Donc quand on l'appelle Emmanuel, ça veut dire que le Dieu du ciel avec nous. Donc il savait cela. Parce que dans Esaïe aussi, un fils nous a été donné. On l'appellera admirable, prince de la paix, Père éternel, Dieu puissant, conseiller. Vous connaissez ça. Donc, puisqu'ils lisaient donc les Écritures, ils avaient quand même la connaissance, effectivement, de ces choses en réalité. Alors, là, voilà que là, les Saintes Écritures aussi avaient spécifié. Dieu est bon, hein. Il faut que nous apprenions à pouvoir vraiment écouter attentivement Dieu et le suivre dans tout ce qu'il nous dit. Parce que quand il nous donne des instructions, et ce qui est merveilleux, c'est que la Bible est vraiment la parole de Dieu. Et tout ce que nous avons besoin pour pouvoir connaître Dieu est déjà là. Alors, nous avons besoin simplement de la lumière qu'il faut pour pouvoir bien garder et voir effectivement. Et surtout, besoin du conducteur, de l'auteur, de ceci en fait. Parce qu'il connaît très bien sa propre parole, parce qu'il a mis l'auteur. C'est pour ça que le maître est tellement bon. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit en vérité. Alléluia. Alors cet esprit-là, c'est qui? Mais c'est Dieu lui-même. Il dit l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Gloire à Dieu. Ta parole est gloire à Dieu. Nous sommes rassurés. Parce que la parole est dans la vérité. Et l'esprit de vérité, il peut nous conduire dans la vérité. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur, il veille sur toi et moi. Pour que nous ne puissions pas être égarés. Parce qu'il est là, comme le Saint-Esprit le témoigne, vivant au milieu de nous et aussi en nous. Il a dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis toujours au milieu d'eux. Et c'est cela, cette attraction qui nous attire, effectivement, de pouvoir réellement nous retrouver ensemble, effectivement, parce que c'est une invitation dans laquelle il nous a invités pour qu'il puisse nous conduire, effectivement. Donc là, dans les scènes d'Écriture, et dans Amos, on disait que... Et là, parce que quand il avait annoncé cela, il avait aussi précisé, c'est pour ça que nous devons, les lieux, l'endroit où il allait être. Ça dit, mais, ô toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de toutes les villes. Donc c'est là que lui, il devait naître. Vous vous souvenez? Quand Dieu dit une chose, il veillera à ce que lui... Vous savez, c'est pour ça que les gens peuvent interpréter la parole de Dieu. Ils vont marcher avec leur interprétation. Dieu ne s'occupe pas. Mais Dieu veille sur sa parole. C'est pour ça qu'il a dit, mais ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues. Parce que l'homme peut concevoir des fables, effectivement, raconter des choses, effectivement, en rapport avec Dieu, des choses qu'il ne connaît même pas, qui fait dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Alors, l'homme qui lui fait confiance va le suivre, effectivement. Mais jamais cet homme-là, en suivant cet homme-là, il ne pourra jamais rencontrer Dieu. Parce qu'il sera toujours en dehors. Mais maintenant, quand nous suivons Dieu, pas parce que nous sommes meilleurs, mais c'est parce que la grâce de Dieu... C'est de grâce de Dieu que Dieu nous aide, frère, que nous puissions comprendre. Dieu n'a jamais été injuste. La grâce de Dieu est pour tout le monde. Maintenant, c'est que tout le monde, là, que chacun puisse maintenant accepter la grâce comme étant la grâce. Quand on l'accepte maintenant, alors maintenant, la grâce fait son travail. Puisque celui qui t'a gracié est celui aussi qui veut aussi te conduire. C'est pour ça que Dieu ne veut pas que nous nous conduisions nous-mêmes. Quand nous réalisons que, Seigneur, maintenant, c'est cela meilleur. J'étais en prison. J'étais donc là emprisonné dans le mur d'emprisonnement. Et puis, il vint, il me gracie, il me fait sortir. Qu'est-ce que je veux? Si je suis intelligent, je dis, mais s'il me fait sortir, eh ben, il est capable de voir me conduire pour me montrer ce que je dois faire. Parce qu'avec ma liberté ici, je vais faire quoi? Parce que quand je l'avais moi-même cette liberté, je l'ai vendue. Donc il vient me faire... C'est là qu'il faut être intelligent. Il vient de me libérer. Alors s'il me libère, il a de bons projets. Alors j'ai besoin de lui pour pouvoir maintenant savoir comment avancer, comment faire les choses, comment faire ceci. C'est important cela. Alors je veux m'accrocher à lui.
C'est là qu'on comprend qu'effectivement, que tous ceux qui nous ont précédés, qui ont eu la grâce de pouvoir vraiment accepter, recevoir la grâce comme grâce, ont dit, Seigneur, fais-moi ton prisonnier. Parce que quand je suis ton prisonnier, je suis sûr et certain que je ne m'égarerai pas. Le bonheur me sera toujours rassuré, parce que tu me placeras toujours dans ta volonté. Que j'aille à gauche, tu vas me ramener toujours à la place qu'il faut. C'est comme ça qu'on dit, la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et voilà que, effectivement, que quand Marie a été visitée, si vous lisez bien ces Écritures, elle était en Galilée, je pense. Lorsque Dieu est bon, hein. Lorsque l'ange Gabriel a visité Marie, vous pouvez peut-être on peut le lire avec vous, hein, pour que vous puissiez voir effectivement cela, et puis, toujours en surveillant les temps. Dans Luc, je pense que c'est cela, oui. Hein. C'est cela, Luc, je pense. Hein. Voilà, nous y sommes, nous allons nous y retrouver, là. Voilà, c'est Luc au chapitre 1. Pour que vous puissiez réaliser que c'est vrai. Luc chapitre 1, nous lisons verset 26. Versets 2 et 6, Luc 1. Alors on nous dit, vous y êtes? Au sixième mois, après qu'il ait visité effectivement Zacharie, vous vous souvenez, non? Au sixième mois, l'ange Gabriel fut... Oh, vous savez, Dieu est tellement... Je vais continuer. Dieu est tellement si bon, frère. Nous, nous l'aimons, c'est Dieu. Il a d'abord visité Zacharie, qui était marié à Élisabeth. Vous connaissez bien? Élisabeth était comme ça, stérile, et puis vieille, et puis avec Zacharie aussi, donc vieux. Mais ils aimaient tellement les seigneurs. Quand vous aimez Dieu, Dieu va toujours agir, peu importe les situations. Et comme l'Écriture dit, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Le Seigneur veut seulement que nous puissions être patients. Le problème avec l'homme, c'est l'impatience. On veut du tout de suite. On veut des micro-ondes. Mais Dieu... Ah non! Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, mon frère et ma soeur. Vous savez, dans l'ancien temps, pour pouvoir préparer les soeurs, c'est pas facile. Il fallait d'abord aller ramasser du bois. Donc le frère devait être patient. Il faut d'abord que la sœur ramasse du bois. Puis je reviens dans l'écriture. La sœur doit aller ramasser du bois. Elle porte du bois peut-être dans la forêt qui est à côté de la fête. Et puis avec du bois, et puis il met les pierres qui sont là, il met les bois comme ça ensemble. Et avec, on met les feux. Il faut que les bois puissent être consumés un peu, n'est-ce pas? Quand on les met ensemble, on prend maintenant la casserole. On met au-dessus, et puis on laisse d'abord de l'eau. Quand ça devient chaud, maintenant, on coupe effectivement. Donc d'abord ramasser, d'abord mettre effectivement. C'est pas dans 5 minutes. Hein. Mais quand même, les frères étaient patients. Parce que si tu n'es pas patient, tu vas manger quoi? Les choses crues? Ah, mais c'est vrai, puisque le feu, c'est pas la sœur. Elle te montre bien que je fais ce que je peux. Les bois, je les mets. Ben, le feu, j'allume, mais les temps, on met de la casserole. Est-ce que vous comprenez? Donc on apprend. Donc ils devaient être patients à ce moment-là. Bon, aujourd'hui, c'est vraiment les siècles de la rapidité. Vous avez déjà remarqué, je relis l'écriture. Hein. Vous avez déjà remarqué, vous êtes assis comme ça. Bon, je vais. Cette couleur ici ne me plaît pas. Internet. Vous pouvez changer votre maison en une semaine. Vous appuyez le bouton, demain, la poste, qu'est-ce que vous a? Colis. Mais c'est vrai, quand vous commandez et que ça passe au moins 3 jours, vous devenez nerveux. On devient nerveux, comment tout le temps vérifier son téléphone, la livraison. Maintenant, il dit, alors maintenant, pour vous donner la consolation, ils vous donnent les traçages. Ah oui, parce qu'ils savent qu'ils sont impatients. Alors on te donne maintenant, voici ton numéro de traçage. Tu envoies ton numéro, tu vois, ah, maintenant le colis est arrivé en Espagne. Il est arrivé maintenant à Del... Oh, tout près. Il occupe ton esprit, hein. Et puis, oh, en Hollande, ah. Et puis à Scarbeck un peu, puis avant d'arriver aussi à Denderle. Vous comprenez? Donc on voit tous ces traces. Mais c'est vrai. La poste Scarbeck dit, oui, c'est arrivé. Et puis voilà, passer la poste de Denderle. Demain, tu dis, ah, le colis arrive. Vous voyez? Donc, enfin, bref. Le Seigneur, notre Dieu, est merveilleux dans sa façon de faire les choses. Il a d'abord parlé à Zacharie, et puis vous savez ce qui s'est passé avec Zacharie.
Il a fait donc cette promesse, effectivement, qu'il aura un fils que j'appellerai effectivement Jean. Vous connaissez cela? Mais regardez, frères et sœurs, Dieu est merveilleux. Il vient de parler à Zacharie, Élisabeth, sa femme aussi, qui a cru effectivement à la parole de Dieu. Et si vous connaissez cela, Dieu pouvait directement, directement, après avoir Zacharie, effectivement, parce que cet enfant qu'elle est née était en relation avec celui qui devait venir. Donc, directement, il parle à Zacharie ici, et puis, pof, il va voir Marie, effectivement, pour lui dire, voilà, Marie, tu vas être enceinte, effectivement. Vous voyez cela? Tu vas le faire le même jour. Mais il a attendu 6 mois. Que Dieu te bénisse. S'il vous plaît, frère et soeur, il faut connaître Dieu. Il a attendu 6 mois. Pourtant, il pouvait le faire. Il fait ici, puis il va là-bas. Il a attendu 6 mois. Pour quelle raison a-t-il attendu 6 mois? Dieu a toujours un but. Non, il est bon. On lui dit, au 6e mois. Donc, il a attendu 6 mois. Pourquoi? Pour que les ventres soient. Mais bien sûr, monsieur. Mais bien sûr, madame. Parce que Marie avait besoin d'avoir la certitude. Parce que, vous savez, que Dieu soit béni. Parce que, entendre, frère, que cette grossesse a 6 mois, dit, mais c'est pas, si c'était un mois, ça dit, bon, ça, est-ce que ça va tenir? Mais 6 mois! Alléluia! Jour pour jour, mois par mois, j'aime Dieu, mon frère. Il sait ce qu'il fait pour toi, mon frère. Pour que ta foi ne défaille point. Que tu sois certain. Alors fais-lui confiance. Oui, monsieur. Même si ça tarde, c'est pour ton bien. Oh oui, mon frère. Nous sommes le peuple de Dieu. Les troupeaux de son pâturage. Il veut réellement que nous soyons un peuple bien assis dans les choses qui concernent Dieu. C'est sûr et certain, vous savez, le poulet qu'on appelle les fermes, hein, pour l'élevage, là, qu'on met beaucoup de grains. Aujourd'hui, vous savez, il est poussin, on met beaucoup, beaucoup de mains, il commence à pouvoir venir comme ça. Ah, on dit, ah, il a beaucoup grandi, c'est un poussin, c'est une poule maintenant. En fait, c'est un poussin qu'on a mis trop d'engrais, effectivement, et, là, puis tu le manges. Mais en fait, il est mauvais pour ta santé. Vous savez, c'est que vous savez, connaissez les poulets coureurs. Les poulets coureurs sont des poulets que vous avez en Afrique. Hein? Oh, ils sont là, ils mangent des grains qu'on jette là-bas, ils courent dans le tout. Quand on vous le prépare, ces os sont durs. Ça vient des lits. Mais les poulets d'ici. Alors, vous savez ce qu'on m'a dit? Il dit, mais monsieur, quand vous achetez ces poulets-là, d'ailleurs, vous voyez, la chair est comme du savon, ça passe. Et puis, deuxièmement, on vous déconseille. Parce que vous savez comment, moi aussi, hein, quand on a les poulets coureurs, on mange et puis on a l'os. En fait. Alors, il me dit, mais monsieur, on vous déconseille jamais broyer l'os du poulet là, des fermes là, vous voyez là, les poulets qu'on nourrit là. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi, monsieur? Dit, hey, tous les produits se trouvent là-dedans. C'est pour ça que vous voyez, ils sont tellement bons. Même quand vous les broyez, ça n'a pas de goût. Et quand vous l'avez. Mais oui, c'est tout ce qu'il y a comme tout ce produit qu'il faut que cette poule-là. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de gens. Oui, parce que vous dopez des choses qui ne sont pas bonnes. Et puis ça fait grossir. Parce que. Prenez un exemple. Je vais revenir ici, frère, ne vous inquiétez pas. Les McDonald's, vous peut-être, je ne vais pas citer leur nom. Vous allez dire, ces restaurants, comme on appelle, bon, on met tout entre parenthèses, fast food. Mais vous tuez. Vous n'avez jamais réfléchi. Bon, moi aussi, nous devons tous réfléchir. Ils doivent nourrir tous les jours du monde avec des cuisses de poulet. Frère, combien de poulets coureurs nous avons qui vivent bien pour que tout le monde là qui rentre avec des seaux. Réfléchissez bien. Il y a une machine qui est là-bas. Et qu'est-ce qu'on nous donne effectivement? Ce n'est pas de vrai poulet. Donc, on est en train de pouvoir nous. D'ailleurs, on nous dit que déjà, comme nous sommes là, quant au maire, le pont funéraire n'a pas besoin de pouvoir nous embaumer. Mais oui, vous savez, mon frère, pourquoi? Parce que vous aimez les Thompson. Vous connaissez Thompson? C'est un poisson. C'est un char, merci beaucoup. Parce que c'est un char. Eh bien, il semblerait que dans tous les Saint-Chars que vous mangez, il y a trop de ce qu'on appelle du formol. Eh bien, les formol, en fait, c'est, si vous savez, c'est ce que. Quand ce corps ici n'a plus d'esprit, puisqu'il pourrit vite,
Alors on doit mettre ces produits-là pour conserver le corps. Ça coûte. Hein. Mais maintenant, déjà, vous-même, vous vous conservez avec du formol, en mangeant tous ces Saint-Charles que vous avez. Tous ces... En fait, on mange des produits déjà que quand tu vas dans le cercueil, les pompes funèbres n'ont pas beaucoup à dépenser. Hein. Tu as déjà dépensé toute ta vie. Donc lui, il fait un service simplement minimum, mais tu lui payes le maximum. Parce que les travaux de conservation, ça a déjà été fait. Bref, c'est pour que nous comprenions, frères et sœurs, que Dieu nous aime. C'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand vous êtes quelque part, c'est un conseil. N'ayez jamais honte à vous précipiter directement, on serre la nourriture. Jamais. Parce que tu ne connais pas comment quel produit on a eu dans ce nourriture-là. Avant de manger, même au restaurant, vous n'occupez pas de lui. Mais c'est quoi, qu'est-ce qu'il va. Parce que les jours où tu vas être malade, il ne va pas t'aider, ce monsieur. Donc avant de manger, baisse la tête. Seigneur, enlève tous les produits, tous les conservants, toutes ces choses-là, de 121, tout ça, Seigneur, enlève cela, que la viande soit bio. Il va le faire. Frère, Satan veut détruire le monde. Et c'est pour ça que vous voyez que nous sommes devenus tellement fragiles que moindre petit changement, les maladies, ceci, ceci et cela, parce que le corps ne résiste pas. Ce corps ici est soumis à des choses tout à fait pas normales. On est censé manger les choses venant de la terre. Avec tout ce qui... Mais bien sûr que oui. Mais qu'est-ce que nous mangeons? Alors, nous revenons ici alors. Au sixième mois, verset 26, sixième mois, nous l'avons compris effectivement. L'ange Gabriel fut donc envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Donc, il était bien en Galilée. Et là, dans la ville appelée Nazareth. Donc, c'est là qu'on lui a annoncé la parole de Dieu parce que c'est là, effectivement, qu'il s'est passé quoi? Que regardez très bien. Là, auprès d'une vierge fiancée à Joseph, à un homme de la maison de David nommé Joseph, le nom de la vierge était Marie. Comme Dieu avait dit, et la vierge conservera. Donc Dieu ne change pas sa façon de faire. Mais maintenant, si toi tu ne crois pas, hein, il y aura toujours une vierge qui va croire, parce qu'elle est destinée pour cela. C'est pour ça que Dieu ne se tracasse pas. Il parle simplement quand il parle la parole qui sort à déjà la personne. Donc, verset 28, il dit, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Quel bonheur d'entendre une parole comme ça. Et puis ensuite, en plus, venant d'un ange. Mon frère et ma soeur, que le Seigneur est avec toi. J'ai dit, gloire à son Saint-Nom. C'est un bonheur pour moi. Est-ce que nous désirons tous? Amen. Que le Seigneur, c'est pour ça qu'on doit être sérieux, c'est que le Seigneur soit avec nous. Est-ce que vous comprenez? Important. Alors il était bien, il dit ceci. Troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. Parce qu'il dit, mais moi ici, qu'est-ce que j'ai de plus grand? C'est pour ça, frères et sœurs, peu importe le regard que les gens peuvent poser sur vous. Mais ce qui est plus important, c'est ce que vous avez comme relation dans votre cœur avec Dieu. Cette Marie, elle s'est laissée conduire par le Seigneur. Parce que, vous me direz, mon frère et ma soeur, Marie n'avait pas été choisie par hasard. Depuis les jours où la parole est sortie de la bouche du prophète, où Dieu dit, il dit que, et la Vierge conservera, la vision, la personne avait déjà été vue par Dieu. Donc cette Marie ici, Dieu l'avait déjà vue des centaines d'années avant qu'elle ne puisse l'être. Donc, ce soir, aujourd'hui, à la place où vous êtes assis là, il n'y a pas de hasard du tout. Avant même que le soleil soit soleil, Dieu t'avait vu assis à cet endroit-là. Il savait une chose, que tu entendrais cette même parole. Non, il est bon, mon frère. Il est bon. Parce qu'il est vraiment, omniscient. Il connaît tout. Il sait placer les choses à leur place. Parce qu'il est Dieu qui crée le temps et les circonstances. Donc rien ne peut lui absolument échapper. Il savait que nous serions aujourd'hui ici et que nous écouterons ce que nous sommes en train de pouvoir écouter. Alors, il dit une chose, effectivement, il dit, mais verset l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Quel bonheur, hein? Alors il continue en lui disant, « Eh bien si, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu donneras le nom de Jésus. » Merveilleux. Hein?
Ah là 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 là, c'est beau ça de voir combien la parole de Dieu elle est vraiment parfaite. Et Dieu a une façon extraordinaire de faire les choses qui nous montre que vraiment, il est celui qui connaît l'avenir. Nous devons vraiment avoir foi dans la parole. Peu importe, frère, ce qui peut même se trouver autour de nous, même si on voit que celui-ci ne s'accroche pas vraiment, ça peut être découragé. Ne te décourage jamais. Ne regarde jamais l'autre pour avancer avec Dieu. Regarde la parole de Dieu, regarde celui qui est au-devant de toi. Parce que toi, quand tu avances, même celui qui est faibli, effectivement, en te voyant t'accrocher, il va prendre courage. C'est ce que nous sommes censés pouvoir être. Tournez le regard vers moi et vous serez sauvés. Alors, nous continuons, il dit, verset 32, dit, « Il sera donc grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Il régnera sous la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, oh là là, c'est tellement puissant et fort. Elle dit, mais comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point? Merci. Parce que pour que je devienne enceinte, c'est là que nous allons voir, je devienne enceinte, effectivement, comme tu l'as dit. Il faut absolument que je puisse avoir la sémence d'un homme, c'est un homme que je dois mettre au monde. Il faut que je puisse, mais moi, je ne connais pas d'homme. Comment cela va-t-il se faire? Alors nous continuons. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Verset 36. Voici donc Élisabeth, ta parente. Maintenant, on se retrouve avec Élisabeth. 6 mois après. Parce que remarquez, s'il venait juste de parler à Élisabeth et à Zacharie, et puis il venait lui dire, oh, je vais parler à Zacharie et Élisabeth. Il va dire, oui, mais c'est ce que tu veux avec moi. Ah ben oui. Il me dit, mais je viens de visiter Zacharie, et je lui ai donné la promesse qu'il va avoir un fils aussi du nom de Jean. Il dit, mais oui, mais tu peux me dire, c'est pour ça que tu t'es posé la question, moi, mais et comment cela se fait? Parce que si tu as pas, je dis cela en disant que si l'ange quittait Zacharie, il immédiatement allait vers Marie, disant qu'effectivement, je viens juste de parler avec Élisabeth. Dieu est sage. Hein? Il a attendu le temps. C'est pour ça qu'il lui dit, mais voilà, parce que Marie commençait à pouvoir se poser, mais comment cela va-t-il se faire? Parce que jamais depuis que le monde existe. Est-ce que vous suivez? Amen. Jamais, jamais depuis que le monde est monde, hein, on a entendu qu'une vierge a vraiment conçu. Ça, on n'a jamais entendu. Je me mets à sa place. Nous le mettons tous à sa place. Oui. Parce que moi aussi, je ne connais pas un homme, mais. Comment cet enfant va... On n'a jamais entendu qu'une vierge, même si elle a prié pendant des années, qu'effectivement que son ventre a eu à pouvoir avoir un bébé dedans. Et maintenant, tu me dis, parce que là, c'était quand même extraordinaire. Il dit, tu as trouvé grâce devant Dieu. C'est pour que nous comprenions que ne limitons jamais Dieu. Il est capable de faire l'impossible de l'impossible. Non, est-ce que vous comprenez? L'impossible de l'impossible. Amen. Frères et sœurs, retenez cela. L'impossible de l'impossible de l'impossible, amen. Dieu peut le faire possible. Amen. Cela vous fait comprendre quoi? Que vous avez la capacité, amen, de pouvoir obtenir de Dieu, amen, ce dont vous avez besoin. Amen. Vous savez d'avance pourquoi? Parce que avant que ce besoin ne naisse en toi, pour que tu puisses dire, Seigneur, j'ai besoin. Parce que, s'il vous plaît, frères et sœurs, rien ne peut surprendre Dieu. Amen. Vous vous souvenez des psaumes 139? Amen. Tous les jours qui m'étaient dessinés, amen, étaient inscrits, où c'est? Dans ton livre. Amen. Avant qu'aucun de n'ait. Voilà. Amen. Amen. Donc, toutes les pensées que tu veux avoir sur cette terre, avant de naître, Dieu les savait. Amen. C'est pourquoi il n'y a rien que tu peux demander à Dieu qui c'est impossible. Parce qu'avant que tu demandes, il le savait. Amen. Donc la solution, il avait déjà pourvu. Amen. Parce que s'il était incapable de le faire, écoutez-moi très bien, frère et soeur, il n'aurait jamais permis cette pensée puisse atteindre ta tête. Amen.
Mais comme il est l'absolu, l'absolu, et le tout, rien ne peut lui échapper. Quand, vous vous souvenez quand même, frères et sœurs, je reviens, je reviens ici dans Luc, on continue à peine là-bas. Vous vous souvenez, frères et sœurs, quand nous avons eu à pouvoir, je crois que c'était dimanche, je pense que c'était dimanche, nous avons dit, un bonhomme petit, sur une terre, dans l'espace, lointain, le soleil est tellement si loin, la lune est tellement si loin. Vous comprenez cela? Ces bonhommes-là, ils regardent la lune, ils regardent le soleil. Il prend l'autorité. L'autorité. Il regarde là, avec l'assurance. Il crie, il dit, soleil! Arrête-toi! Frère, non, que Dieu soit béni. La Bible dit que le soleil écouta la voix d'un homme. Pas la voix de Dieu, monsieur, la voix d'un homme. Soleil, arrête-toi. Le soleil s'arrêta, monsieur. Alléluia. Oui, monsieur. Pourquoi, monsieur, madame? Parce qu'avant qu'il prononce ça, Dieu le savait. C'était une chose impossible de l'impossible de l'impossible. Que nous comprenions que pour Dieu, il n'y a rien qui soit impossible. Il contrôle toutes choses. Ne croyez jamais que Dieu ne peut pas vous guérir. Qu'est-ce que c'est que la guérison? En fait, vous voyez ses doigts? Ils fonctionnent. Pour qu'ils fonctionnent, Dieu lui a doté des cellules. Et ça, il n'y a aucun être ou aucun ange qui peut créer ça. Donc, c'est lui Dieu qui a créé ces cellules. Maintenant, cette cellule en question, en certain moment, elle a un problème et s'est détériorée. Est-ce que dans le magasin, entre parenthèses, pour qu'on comprenne un peu le langage simple, dans les magasins d'un couturier, il manque des fils pour pouvoir coudre effectivement un tissu qui a été déchiré? Il y aura toujours des fils pour réparer ce qui a été déchiré. Alléluia! Mon frère et ma soeur, Dieu qui crée, il a toujours pour remplacer. Alléluia! Gloire à Dieu! Donc la guérison est possible! Parce qu'il est l'auteur de la création, monsieur. Rien ne peut dérober à sa face, mon frère. Quel est cet homme de Jésus? Quel est cet homme de Jésus? N'est-ce pas vrai? Il marche sur les eaux. Il multiplie les pains. Nous avons la grâce, mon frère et ma soeur. C'est pour ça, même quand la situation regarde, mais ça n'avance pas. Non, les choses avancent selon le plan de Dieu. Le problème, c'est nous qui devons nous adapter au plan du Seigneur. C'est pour ça que tes genoux, frères et sœurs, c'est là que nous devons davantage apprendre. Nous devons revenir à pouvoir vraiment passer du temps dans la prière. On est trop pressé. Et puis bon, les diables aussi, ici, vous savez comment ça se passe aussi? Quand vous vous mettez, c'est pour ça que ça c'est un conseil. Quand vous vous mettez à genoux, vous commencez à prier, des débuts, c'est un peu flottant. Mais vous persévérez pour que le nuage s'écarte. Puis vous sentez que maintenant il y a l'ouverture qui se met, et vous commencez à pouvoir vraiment dans sa présence. Et là, vous sentez que vous entrez dans une dimension, que le Seigneur a commencé maintenant à pouvoir maintenant vous entendre, et que vous parlez maintenant avec Dieu. Vous êtes dans une dimension tout à fait particulière où la puissance et la force commencent maintenant à rentrer en vous. Quelques minutes simplement, le téléphone va sonner. Votre téléphone que vous avez, c'est pour ça, un conseil, quand vous vous mettez à genoux pour pouvoir prier, coupez le téléphone. Coupez. Pour quelle raison est-ce que le téléphone va sonner? Parce que le diable a peur. Et si tu rentres encore plus profondément, quand tu vas te relever, ah, ça sera terrible.
Il faut qu'il puisse couper les canaux. Nous avons affaire à quelqu'un qui est vraiment très, très rusé. À nous de pouvoir maintenant adopter aussi une méthode qui lui montre qu'effectivement que tes tactiques à toi, nous le connaissons maintenant. La manière d'agir de Satan, c'est de pouvoir faire toujours peur aux gens. La peur est le moyen qu'il utilise parce qu'il connaît l'homme. C'est pour ça que le Seigneur dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. N'étais-je pas dit? Donc, Dieu connaît ta faiblesse. Et le diable, effectivement, il veut utiliser cette faiblesse, effectivement, la peur. Comment ça va se passer? Un fils de Dieu, c'est là que le Seigneur nous instruit pour que nous puissions être un fils de Dieu, une fille de Dieu, n'est pas quelqu'un qui panique. Pour quelle raison tu ne dois pas paniquer? Parce que tu es appelé à avoir le contrôle de la situation. Pour quelle raison? Parce que l'esprit qui est en toi, il est supérieur au supplice. C'est la vérité, ce n'est pas une histoire pour raconter. C'est la peur qui nourrit les démons. C'est la peur qui nourrit encore l'anxiété. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire, effectivement? Mais il aime cela pour qu'il puisse davantage, effectivement, te garder aussi prisonnier et esclave. Tu n'as jamais à avoir peur. En tant qu'enfant de Dieu. C'est pour ça que quand vous donnez davantage au Seigneur, vous priez, effectivement, vous ne réalisez peut-être pas très bien, mais ce sont des choses qu'on vous raconte, effectivement, parce que nous les avons vécues. Vous allez vous trouver dans une situation tellement aussi grave et qui vous met aussi dans une situation problématique et que votre corps et votre cœur veulent aller dans ce sens-là et vous sentez quelque chose qui vous freine. La présence du Seigneur descend sur vous et vous, en certain moment, vous vous sentez maître de la situation. Pourquoi? Parce que vous lui avez fait confiance. Et au moment de temps difficile, il vous prouve qu'il est vraiment là. Il ne veut pas vous laisser aller là-dedans. Nous sommes des humains. Nous avons besoin parce que nous ne voyons pas notre adversaire. Mais lui, il voit l'adversaire. C'est pour ça que il était qui l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Vous savez, j'ai eu une voiture, j'étais avec votre soeur, et j'étais sur l'autoroute, j'allais en France, effectivement. Je ne sais pas comment c'est passé, mais on roulait, elle était là, juste assise à côté, moi je conduisais. La voiture a pris une vitesse, j'avais fait un mouvement comme ça. Et puis, la vitesse, c'est qu'elle s'est tournée comme ça. Vous connaissez les autoroutes, c'est dans ça, il y a un béton qui était là au milieu. Donc ça a pris une vitesse de 150-60 km à l'heure, et ça allait dans le béton. J'étais au volant, je ne sais pas comment c'est passé pour que la pédale puisse accélérer comme ça et puis se tourner comme ça pour aller dans le béton central, effectivement, là-bas. Et je me voyais, elle était là assise à ma droite, moi j'étais en train de pouvoir conduire ici. Mais à vive allure, on allait rentrer. Alors j'ai dit, Seigneur, moi j'ai dit, maintenant je vais me voir simplement au ciel. Au moment où la voiture, c'est la vérité, au moment où la voiture est allée rentrer dans le béton, paf, parce qu'il y avait une voiture, je me suivais derrière aussi. J'ai seulement crié, Seigneur! Vous savez ce qui s'est passé? La voiture a fait des tonneaux, des tonneaux, des tonneaux, des tonneaux. Je me suis retrouvé, moi, votre frère, dehors, debout. Elle était, c'est vrai, non? J'étais debout, dehors, debout. Je regardais, c'était comme dans le cinéma. J'ai regardé la voiture qui était là. Et j'ai commencé à pleurer pour elle. Et j'étais debout, je regardais, j'étais là. Et la voiture faisait beaucoup de... Alors, vous savez, du côté où moi j'étais assis, la voiture s'est aplatie comme ça. Comment c'est la pare-brise, comment elle est, effectivement. La pare-brise est restée. La portière où moi j'étais était fermée. La vitre était fermée. Maintenant, posez-vous la question, comment est-ce que j'étais dehors? Et je regardais la voiture qui faisait... Moi, j'étais dehors de la voiture. Elle faisait des tonneaux. J'étais en train de la regarder. Vous savez ce qui s'est passé? Quand, moi, je ne savais pas, j'avais les dos tournés. Quand on a regardé derrière ma chemise... On a vu l'empreinte d'une main qui m'avait pris et qui m'a fait sortir là pour me mettre. Vous savez, Dieu,
Il y a des témoignages qu'on dit, mais si on rend, les gens vont se dire, mais ces frères, on a tellement de témoignages. Nous servons un Dieu, ce ne sont pas des aventuriers, nous servons un Dieu qui est vivant et présent. Et qui démontre qu'il ne nous a pas laissés, qui nous conduit. C'est parce que nous devons être certains. Oh, que Dieu nous aide. Et voilà que là, et puis il dit effectivement, nous terminons. Alors, il dit, verset 35, Luc 1, 35, il dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Verset 36, il dit, voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi. Qui ça? Un fils. Rien qu'au moins, il insiste bien. Hein? Il dit, Élisabeth, ta parente, donc parce que tu la connais bien. Il dit, a conçu aussi, elle aussi, un fils. Dans quelles circonstances? Dans sa vieillesse. Il dit, dans sa vieillesse. J'aime Dieu. Hein? Il dit, dans sa vieillesse. Donc, elle la vieille, là. Et puis, il dit ceci. Il dit, écoutez bien. Et celle qui était appelée stérile. Alléluia. Vieille. Et stérile. Alors, il dit, celle-là, effectivement, elle est quoi, effectivement? Elle est dans son sixième. Ah! Marie a entendu dire quoi? La vieille là! La stérile là! Elle est dans son sixième! Et c'est toi qui lui as parlé! Alléluia! Gloire à Dieu! Que cela me soit fait selon! Alléluia! C'est comme ça que Marie a conçu. Où c'est? En Galilée! Dieu est parfait, mon frère! Donc la conception a commencé en Galilée. Et alors elle a grossi toujours en Galilée. Donc elle devait enfanter en Galilée. Mais la Bible disait. Alléluia. Oh, et toi, Bethléem Ephrata. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La parole de Dieu, elle est. Lève-nous. Notre Père céleste, c'est notre Dieu.